ça a commencé là, tu sais, ça a commencé très 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 petit. Puis tu sais, il a réussi quand même à monter quelque chose, tu sais, quelque chose de grandiose et uniquement dans la ville de Québec. Donc il y a quelque chose d'impressionnant aussi. Tu sais, qui a 7 hôtels dans la même ville qui réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu? C'est un esprit qui est familial. Je sens qu'on a notre mot à dire. Je sens que ce qu'on dit aussi est pris en considération là, dans les décisions, et c'est ce que j'aime bien. C'est comme une grande famille. C'est sûr que, tu sais, autant mes supérieurs que mes collègues de travail sont toujours là pour nous supporter quand on a besoin d'eux autres. Puis sont toujours disponibles n'importe quel moment de la journée ou quoi que ce soit. Alors moi, l'esprit de famille, j'y tiens. Puis tu sais, j'ai quand même une bonne connaissance des propriétaires puis de la maison mère, le siège social, si on veut. Fait que tu sais, non, moi j'ai l'impression, je l'ai souvent dit à Nancy, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Je suis mon nom de famille qui est différent parce que je travaille ici comme si c'était à moi. L'ambiance, vraiment, c'est vraiment le fun. Une belle équipe, c'est comme une famille. Peu importe la situation qui peut arriver, là, on est toujours là pour s'appuyer puis s'aider. Puis c'est ce qui fait que ça nous motive à venir travailler le matin. Là. La force de mon équipe, l'unité, et être très honnête entre nous-mêmes, là, et le travail d'équipe, je pense. Moi, pour ma part, j'ai même été approché par d'autres endroits pour aller travailler, puis j'ai décidé de rester ici pour le cœur, l'esprit, le teamwork qu'on a, qui est fabuleux. C'est vraiment le fun, on a vraiment une belle équipe. Je dirais que l'expérience de tout le monde est reconnue, chacun a des points forts, des points faibles, pour bien convenir, faire une belle équipe. C'est une des raisons pourquoi je reste ici, vraiment une belle équipe. Ça soit quelqu'un de dynamique, souriant, quelqu'un qui est à l'aise avec le public surtout, parce qu'on est au service à la clientèle, on ne se le cache pas. Être aussi ponctuel, c'est très important. La patience, mais une bonne énergie aussi, parce qu'on veut des gens qui vont foncer. Là, quand il y a un problème, une situation, ouais. Quelqu'un qui va agir. Ouais, de l'entraîneur. Oui, de l'entraîneur. C'est facile de devenir un très bon employé dans un poste de première ligne, puis ensuite d'être repêché, si on veut, pour un poste avec de plus grandes responsabilités, etc. J'étais premier cuisinier. Ensuite, j'ai fait 2 ans comme ça, jusqu'à temps que ma fille Frédérique vienne au monde, soit en 2002. En 2002, le chef Denis m'a proposé une job de sous-chef, que j'ai accepté à pied levé, parce que le but de la chose, c'était ça, c'était de vouloir son poste, que j'ai fait jusqu'en début 2006. Et de 2006 à aujourd'hui, je suis chef. Le premier job que j'ai eu au Palace, je faisais le lutin du Père Noël. Je devais avoir 9-10 ans, je pense. Après, j'ai surveillé la salle de jeu en haut pendant les fêtes dans la semaine de relâche. Après, j'ai été commis au restaurant le matin. Maintenant, je suis commis le soir. Ensuite, j'ai fait des banquets. Puis après, je fais du room service. Puis depuis ce temps-là, je suis quand même multitâche. Je pense que ce qui fait notre force, c'est que, moi, j'ai réussi à garder des employés très, très longtemps. Même, j'ai des gens qui travaillent à temps plein ailleurs, c'est un autre job, puis qui ne veulent pas quitter les banquets au Plaza. Ils viennent me faire des banquets dans le temps des fêtes ou l'été, des mariages, ces choses-là. Fait que moi ma perception, c'est que les employés, c'est très important. Je suis bien. J'aime les gens avec qui je travaille. Peu importe si c'est les propriétaires, peu importe si je me sens bien, en fait. Je me sens bien, j'ai envie d'avancer dans cette entreprise-là. Si tu veux faire partie d'une famille, d'avoir de l'avancement aussi, d'avoir du fun en venant travailler finalement. Réal Villeneuve, je travaille comme technicien en maintenance à l'Hôtel Moss. Mon meilleur souvenir, c'est de toujours avoir une gang de collègues de travail avec qui j'ai du plaisir à travailler. Déjà souriant, première des choses, ça c'est très important pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui aime sourire, j'aime faire rire. Quand je vois que la gang embarque avec moi, ben, le fun est poigné dans la cabane, mais on fait notre travail pareil.